Bonjour à tous, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert Station of Play, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle soluce sur l'obtention d'une armure, donc ça va être l'armure isolante. Alors, je vous montre où je me trouve pour que vous puissiez placer vos balises. Et donc, la grotte va se trouver ici, la grotte avec la première pièce du set va se trouver ici. Allez, c'est parti. On est juste à côté. Alors, il y a pas mal de monstres dans cette grotte. Ici, une obo. Hop. Allez, voilà. La grotte est ouverte. On progresse. Voilà. Vous montez ici. Voilà, atteindre cette plateforme. On continue. Je vais pas éviter le like, malheureusement. Bon, c'est pas bien grave. Bon, lâche-moi. J'essaie d'aller le plus vite possible. Bon, là, ils vous mettent hein, des fleurs bombes. Pas d'autres. Moi, je vais utiliser Yunobo. Là, on voit que derrière le like, il y a un endroit à casser. Hop. On monte. En fait, moi les sages, c'est pour ça que je les révoque souvent, ils me bloquent la vue tout simplement, j'en perds mon latin, ils m'énervent parfois, c'est... Bon bref, donc on arrive au premier coffre de la tenue isolante, donc c'est la combinaison. Allez, on enchaîne, donc je vous remontre, j'efface la balise, je vous remontre où on se trouve. C'est ici, juste ici, à l'entrée de la grotte. Alors, on enchaîne avec le deuxième. Alors, j'essaye de me souvenir exactement où je l'avais trouvé. C'était par ici. Et le troisième... T'es en train de faire toute mémoire comme ça. C'était par là. Voilà. Alors là, ça va être un peu pénible parce que il va y avoir pas mal de nage. Donc c'est pas le plus agréable. Mais je vous remontrerai sur la map, hein, vous inquiétez pas. On progresse. Je sais pas si j'ai, il y a sûrement un Korogu là. Je sais pas si j'ai déjà pris, si c'est vraiment un Korogu. Ouais, vu le bruit. Ouais. Or.
Qu'est-ce que ça m'énerve? Je me suis arrêtée là. Pourquoi encore utiliser une multitude de flèches pour rien? Ah, dame, voilà. J'avoue que je me suis pas trop attelée au Kourougou. Il y en a mille. Mille. Coucou, toi. Plus tard, t'inquiète. Je me suis pas trop attelée au Kourougou. Ce qui fait que mon inventaire n'est pas ultra ultra fourni. On peut pas. Il y a tellement de choses à faire dans Tears of the Kingdom que on peut pas être partout. Hein. Donc chacun ses priorités. On progresse. On y est bientôt. Ah, super. Milba, si Minao veut bien nous laisser regarder. Et voilà, on arrive à l'entrée de la grotte. Donc je vous montre sur la map où ça se trouve exactement. Je fais exprès de prendre le temps de zoomer et dézoomer pour que vous ayez bien le temps de mettre vos balises sur la map. Allez. Alors là, il y aura pas mal d'ennemis, ceux que j'appelle moi The Descent, parce que j'ai adoré le film d'horreur The Descent, vous savez que... Si vous ne l'avez pas regardé, je vous le conseille si vous aimez bien les films d'horreur. Vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi je les appelle, là, ces monstres-là, The Descent. Et que leur cri, là, est... Ah, mais c'est totalement ça. Sale. Et... T'as de la chance que je suis pas là pour ça, là. Sinon... Occupé de ton cas. C'est vrai qu'ils sont vraiment affreux. On va aller récupérer de l'endurance ici, hein, et pas vous noyer. On récupère de l'endurance ici et on repart immédiatement. On peut tranquille se mettre là également. On va rechercher de l'endurance. Ils sont un masque, hein. Vous savez que tout ça, on en a besoin soit pour les fées, pour augmenter le niveau de nos armures, ou alors lorsqu'on va dans les profondeurs, pour s'éclairer. Allez, on continue. Je vous avais prévenu, hein, que la progression était assez fastidieuse. Sérieux? Really? Allez. En fait, attention au like, là, il m'a embarqué un arc du dieu bestial et après il me l'a jeté dans l'eau, j'ai jamais réussi à le récupérer. J'étais passablement énervée. Laisser faire sa vie là, le like. Alors ouais, c'est ça, comme ça. Allez, voilà. Alors faites attention parce que là, vous voyez, il y a le, y a notre ami.
J'ai mal au cœur à chaque fois de faire ça, mais bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu qui m'oblige. Voilà, pareil, hein, y a du minerai, il y a les lézards adhésiaux, vous ramassez, hein, si vous voulez. Allez, le deuxième coffre. Le casque isolant. Allez, on va chercher. Troisième et dernière pièce qui va se trouver ici. On y va, je vous remontre sur la map. C'est parti. Oui, j'ai vu le Pokémon là qui veut rejoindre son ami. Il y en a, mais partout. Mettre une petite feuille. Le nombre de feuilles que j'ai sur la map, j'y suis jamais allée. C'est pas grave. Allez, on continue. J'avais dit les Korogus, c'est pas ma priorité. D'ailleurs, dans Breath of the Wild, j'ai arrêté à partir du moment où ça n'offrait plus rien, c'est-à-dire ça agrandissait plus à l'inventaire, j'ai arrêté. Et alors après, quand j'ai appris ce que ça donnait, c'était une espèce de petites crottes dorées, là, j'ai passé mon tour. Hein. Pourtant, j'adore faire des 100%, mais faut qu'il y ait quand même une motivation. Alors, dans une map où, dans une grotte où, comme d'hab, on voit très très peu. Je goûte très peu cet effet de brume, moi, personnellement. Alors, certains diront que c'est voulu, que c'est artistique, que c'est machin, que. Oh, moi, je trouve ça plutôt pénible. On voit vraiment rien. Ah, viens ici, toi. Sois gentil. Je veux juste tirer une flèche. Parce que bon, bah, autant les faire quand on est dans la grotte, hein, ça devrait revenir. Bon. Une belle perte de temps. Allez, on progresse. Donc là, vous voyez, il y a des bombes. On n'hésite évidemment pas à les prendre. Alors, on va se mettre, hop, ici. On va aller tirer une bombe là. Et vous voyez, au fond. Alors, je crois qu'on va avoir besoin, je suis pas sûre, de la tenue. Oh, cette vue, mon Dieu. Allez, grimpe. Non, ça va. On n'a pas besoin de la tenue. J'avais peur qu'on ait besoin de la tenue batracien ou d'un remède adhésio. Ils sont forts pour nous faire ça, mais non. Et on va chercher le dernier coffre de la tenue isolante. Je vais la mettre. Donc, elle était déjà dans Breath of the Wild et elle est de retour dans Tears of the Kingdom. Je vous remontre sur la map où se trouve. Ce dernier point, donc vous rentrez ici et ça va se trouver à peu près ici.
Voilà, si cette solution a pu vous aider, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle solution. Bye bye les amis.